tactique de la milice se pisse dessus. Mais le nouveau chef veut pas les laisser partir. T'as réussi? Bon, eh bien... J'imagine que dans un univers supposément infini, tout peut arriver. Tout peut arriver. Blanche et ses grandes oreilles, qui donc a creusé le terrier dans lequel Alice s'émerveille?
L'ascenseur n'ira pas plus loin. C'est trop dangereux d'activer l'ascenseur depuis ici.
Salutations, imbécile. Je voulais simplement te rappeler que tu n'as résolu. Résolu. Comment? 50%. 50%. Possible. Pardon, c'est ça. Je voulais te rappeler que tu n'as résolu qu'un peu plus de la moitié de mes énigmes. Au revoir, moitié de mes énigmes. Chevalier noir. Oui, je sais, c'est émouvant. Mais vois ton cerveau comme un muscle. Et ses énigmes comme... Des pompons, des abdos, des déflexions. Enfin, bref, ce que font les gens, ton espèce sur un tapis. Ton espèce, pèse sur un tapis.
Patiente Gordon, Barbara, première séance. On se réveille, mademoiselle Gordon. Allez, faites une injection. Encore une dose. Je suis réveillée, ordure. Bien. Qui est Batman? Vous lui poserez la question. Merci, mademoiselle Gordon. Je craignais fort que ma technique d'interrogatoire préférée ne soit pas nécessaire. As-tu une idée des raisons pour lesquelles je porte ces seringues à mes doigts? Parce que vous êtes dingue? Habituellement, je vaporise ma toxine dans l'air. C'est efficace, mais impur. En revanche, la terreur que je peux instiller avec une dose concentrée injectée directement dans le sang est tout simplement magnifique. Les dégâts à long terme sont bien plus sévères, évidemment. Vous avez terminé? Oui. Mais pour toi, ce n'est que le début. Tu perdras toute cohérence, car ma toxine va doucement dissoudre la paroi qui sépare ton esprit conscient de tes cauchemars les plus enfouis. Et une fois que ces peurs se seront peu à peu dissipées, elles emporteront avec elles ta pathétique insolence. Vous continuez. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-la tranquille. Il est parti. Est-ce que tout va bien? Épargnez-moi le coup du gentil et du méchant flic. Non. T'es censé me faire parler. Gagner du temps en attendant Batman. C'est ce qu'il t'a appris, non? Je n'ai rien à vous dire. J'ai parlé pendant des heures. Parce que je savais que Batman était en route pour me sauver. Le malade m'a laissé faire et puis... j'ai fini par ne plus rien avoir à dire. Alors crois-moi, Bruce ne viendra pas te sauver. Bruce? Ouais, l'épouvantail ne sait rien. C'est un petit secret. Et je vais t'en dire un autre. Batman aime jouer les héros barbares. Et il le fait plutôt bien. Mais c'est du vent. Batman se fiche de sauver les innocents. Il veut juste punir les coupables. Non, je ne dis pas qu'il n'essaiera pas de t'en trouver, non. Il essaiera. Mais le moment venu, quand il devra faire un choix entre toi et sa mission, il choisira toujours la mission. Ça... tu peux en être sûr. C'est faux. Regarde-moi bien et répète ça. Jason? Jason, c'est mal! Tout est une question de justice. Il m'a abandonné. Il t'a perdu. Et il t'a pleuré. Rentre à la maison. Je peux pas rentrer. Tu sais pas ce que le Joker a fait, Barbara. Il m'a complètement vidé avant de me remplir de haine. Jason, on peut réparer ça.
une balle. L'a collé entre les deux yeux de Bruce. Le Joker est mort, Jason. Tu veux te venger de celui qui t'a fait souffrir? Tu as encore une chance. Rentre au manoir, laisse-nous t'aider. Ne laisse pas le Joker gagner. Comment va Alfred? Tu lui manques. Tu nous manques à tous. Le déluge est chargé, chevalier. C'est l'heure. Bayonetta, si quelqu'un ose la toucher, je le tue sur le champ.